Bonjour, c'est Marina Graff. Je suis pianiste, chanteuse, professeure de piano et de théorie musicale et l'auteur du recueil Inspiration Piano, éveillez votre curiosité au langage musical. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu particulière puisque je vais répondre à une question qui m'a été posée dans les commentaires. Et la personne qui m'a posé cette question s'appelle Chantal Tandel. La question que me pose Chantal est tout simplement de la conseiller sur des exercices à effectuer pour travailler l'articulation, dont la dextérité, du 4e et du 5e doigt, mais spécifiquement à la main gauche. Allez, c'est parti pour notre premier exercice. On va utiliser les 5 doigts de la main et on va monter chromatiquement. Voici mon do médium. Je descends de 2 octaves, je positionne mon 5e doigt sur la note Do et je vais monter chaque doigt chromatiquement. Do, Do dièse, Ré, Ré dièse et Mi, tous les doigts de la main. Une fois que j'ai fait ma séquence, ma phrase avec les 5 notes, eh bien, je n'ai plus qu'à monter sur le Do dièse et effectuer la même chose. Et ainsi de suite. Etc. Voilà ce que ça va nous donner lentement. Et bien sûr, vous pouvez faire exactement le même exercice dans la descente. Passons maintenant à la deuxième version. Cette deuxième version, toujours basée sur les chromatismes, sauf que cette fois-ci, on enlève le pouce et qu'on va jouer seulement avec le 5, 4, 3 et le 2. La logique est exactement la même. Là encore, vous pouvez effectuer bien sûr votre descente. Troisième et dernière version de cet exercice numéro 1. Cette fois-ci, nous allons enlever, en plus du pouce, nous allons enlever le second, l'index. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, c'est toujours un intervalle de demi-ton, mais l'enchaînement va devenir de plus en plus compliqué parce qu'on va vraiment axer sur le 4 et le 5 un petit peu plus. C'est pour ça qu'il fallait le faire par progression. Voilà pour notre premier exercice avec ces 3 versions différentes. Alors, afin d'exécuter chacun des exercices que je vais vous proposer, je vous conseille une petite chose, c'est de bien vérifier si votre main droite, alors que vous êtes en train de jouer avec votre main gauche, si votre main droite est bien décontractée, mais si elle n'est pas un peu tendue, ce qui peut arriver très fréquemment. Donc dans ces moments-là, vous la décontractez, vous la laissez un petit peu tomber, vous la reposez tranquillement sur votre jambe ou sur votre genou droit et vous vous reconcentrez tranquillement sur l'exercice de votre main gauche afin de décontracter tout votre corps. Passons à notre deuxième exercice. Alors nous allons utiliser la gamme de Do majeur qui va être pour la suite de nos exercices un peu la gamme modèle. Mais chaque exercice que je vais vous montrer par la suite, eh bien vous pouvez le décliner dans d'autres gammes majeures, voire même des gammes mineures également. Comme ça, ça vous familiarise avec l'arrivée des touches noires, des altérations. Je positionne mes doigts sur Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Et le but du jeu, eh bien, c'est tout simplement de faire 5, 4. Attention, je ne vais pas jouer le 3e doigt. Je vais enchaîner sur 2 et pouce. Donc Do, Ré, Fa et Sol. À aucun moment, je ne vais jouer le 3e doigt. Et bien sûr, au fur et à mesure, vous pouvez totalement augmenter le tempo.
Alors celui-là, j'ai une petite variante également, et au lieu de commencer par le Do, Ré, Fa, Sol, eh bien je commence donc par le 5, 4, 2 pouces. Eh bien cette fois-ci, je ne vais pas commencer par le cinquième doigt, mais je vais commencer par le quatrième directement. Et je vais faire 4, 5, et puis après 2 pouces. Ça ne change pas. Donc Ré, Do, Fa, Sol. Allez, maintenant, on passe à notre troisième exercice. Eh bien, nous allons rester un petit peu plus longtemps. On va faire comme un début de trill. Vous savez, c'est lorsque l'on rejoue plusieurs fois deux mêmes notes. Là, nous, on va commencer par un trill. Et puis ensuite, on va en refaire un autre et enchaîner sur Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Donc, ça va nous faire Do, Ré, Do, Ré, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Alors, il y a une chose que j'ai oublié de vous parler. Il y a des positions particulières au niveau de votre corps. Votre corps ne doit pas être trop proche du piano. Souvent, je remarque que les élèves sont très, 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 très proches du piano et sont limités dans leurs déplacements. Alors que dès que vous mettez plus d'espace entre votre buste et votre clavier, eh bien, vous avez beaucoup plus d'ampleur pour aller chercher vos notes et faire votre accompagnement. Donc, faites bien attention à ça. Pour effectuer ces petits exercices-là, faites aussi également attention à une petite chose, c'est qu'on a très souvent tendance, sans le faire attention, mais on a souvent tendance à mettre le coude en extérieur. Et non, il faut que vous le rapprochiez un tout petit peu de votre corps pour effectuer votre exercice et avoir plus d'agilité et de fluidité et donc de rapidité dans la façon de le faire et surtout de précision. Autre petit point très important, respectez bien le côté rythmique. Soyez très précis dans le côté rythmique. Donc pour ça, essayez d'être le plus proche possible des touches, bien au fond des touches, sans casser le poignet non plus, mais bien au fond des touches. Pensez à avoir un poignet relativement bas et pas en hauteur, vraiment bas. Plus vous êtes en hauteur, moins vous allez avoir de précision. Plus vous allez être plus proche des touches, mieux ce sera au niveau de l'exécution. Plus proche des touches et le coude bien à l'intérieur. Alors pas trop non plus, mais comme il le faut. On passe cette fois-ci à notre quatrième exercice. On positionne toujours notre main gauche sur Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Et on va faire ce que l'on appelle des intervalles de tierces. Jouer des intervalles de tierces. Do, Mi, Ré, Fa, Mi, Sol. Au niveau des doigtés, donc ça va nous faire 5, 3, 4, 2, 3 pouces. Mais la petite particularité, c'est qu'il va falloir jouer la note en bas, le cinquième doigt, et maintenir ce cinquième doigt tout le long de l'exercice. Et là, c'est là que ça va se compliquer un tout petit peu. Avec la rapidité, voilà ce que cela peut donner. Donc pour celui-là, il faut vraiment bien appuyer sur votre cinquième doigt, être à l'aise. N'oubliez pas de rentrer votre coude et de bien articuler chacun de vos autres doigts. Allez, on passe à notre cinquième exercice. Alors pour celui-là, on va faire entrer cette fois-ci l'intervalle d'octave. Je vous rassure, de toute manière, personne ne peut faire une octave entre un quatrième et un cinquième doigt. Donc, mais par contre, nous allons travailler sur la notion de lier le cinquième et le quatrième doigt par le biais d'un intervalle d'octave. Alors, on va reprendre notre système de gamme chromatique que nous avions dans notre premier exercice. Sauf que cette fois-ci, nous allons descendre d'une octave notre gamme chromatique. Le but du jeu, bien sûr, c'est de jouer l'octave. Alors, je vous explique qu'il y a une petite règle, puisqu'on va quand même descendre chromatiquement.
La règle, c'est le cinquième doigt est joué pour les touches blanches. Et le quatrième doigt est joué pour les touches noires. Alors la petite astuce, lorsque nous rencontrons les deux touches blanches, sur le si do et sur le mi fa, eh bien c'est tout simplement de faire une substitution de doigts, mais très rapide. C'est-à-dire, je commence le 5 et très rapidement, sans rejouer la note, eh bien je place directement le quatrième doigt. Ce qui fait que je peux lier pour aller chercher mon si. Allez, maintenant, je vous propose de regarder ensemble le sixième exercice. Alors, on va faire entrer en compte la notion de l'accord plus une petite ligne mélodique. L'accord, eh bien, nous allons commencer sur le do médium. Notre pouce commence sur la note do. Je descends d'une tierce, le la. Je descends encore d'une tierce, le fa. On a donc bien un accord à trois sons. Et à chaque fois, attention, faites bien attention aux doigtés 1, 2 et 4. Et on va aller dans la descente, vers les graves, vers la gauche. Puis, une fois qu'on aura fait ces trois sons-là, eh bien, nous allons rajouter le 5, 4, 5, 4 et on remontera. D'un point de vue rythmique, là encore, j'ai un 4 double noir. Pam, 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 pam. Et j'enchaîne. Nous arrivons maintenant sur notre septième exercice qui, en fait, va reprendre un petit peu ce que nous venons de voir. Mais on va changer un petit peu la rythmique et on va agrandir un petit peu l'espace qu'il y a entre le quatrième et le cinquième doigt. Donc, on repart toujours de notre do médium, joué avec notre pouce. On descend d'une tierce, on descend encore d'une tierce, ce qui nous donne toujours notre base première, l'accord à trois sons. Et puis après, une petite mélodie, comme une espèce de petite mélodie, jouée avec le 4 et le 5. Et voilà ce que ça va nous donner. Il y a comme une espèce de balancement, justement. Avant de revenir. D'un point de vue rythmique, nous allons avoir ceci. Pam, pam, pim, pam, 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 pim, pam, pam, pam. Je remercie encore une fois Chantal Tandel de m'avoir posé cette question et de m'avoir permis effectivement de vous en faire une vidéo. Et j'espère Chantal, et vous me tiendrez au courant, j'espère Chantal que vous allez pouvoir progresser grâce à ces exercices et travailler plus tranquillement votre articulation du cinquième et du quatrième doigt de votre main gauche qui, je le sais, est très délicat à mettre en place justement. Si vous avez besoin que j'apporte une solution, un problème technique pianistique qui vous embête, eh bien, mettez-moi dans les commentaires, posez-moi vos questions et je me ferai un énorme plaisir de vous y répondre en vous faisant une vidéo. Et moi, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt. Ciao.